ERDC, François Béya notifié d'être soupçonné d'avoir participé à des réunions mettant en cause la sécurité de l'État. Arrêté, manu militari, et auditionné le samedi 5 février, François Béya, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a passé sa première nuit dans le cachot de l'Agence nationale de renseignement, ANR. Son arrestation a été confirmée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, de M. Georges Kapiamba. D'après Georges Kapiamba, qui a rendu visite à François Béya dans la soirée de samedi, a renseigné que son interpellation est en relation avec des activités qui amènent à le suspecter d'actions contraires à sa position de conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité nationale. De ce fait, il a été notifié d'être soupçonné d'avoir participé à des réunions mettant en cause la sécurité de l'État. M. Georges Kapiamba a dans la foulée fait savoir que son épouse, son frère et son médecin sont autorisés à lui rendre visite. Le chef de l'ANR nous a promis que ses droits fondamentaux seront respectés. L'arrestation de François Béya est intervenue pendant que le président de la République, Félix Tshisekedi, séjournait à Addis-Abeba où il a participé à la 35e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine des chefs d'État et des gouvernements. Zoom sur François Béya. François Béya, puissant, monsieur sécurité, du président de la République, jusqu'avant son interpellation, intervenait dans les dossiers les plus sensibles du pays. C'est un pur produit du service des renseignements dans lesquels il a fait toute sa carrière. Sous l'ère Mobutu, François Béya a été à côté de Séti Yel, conseiller à la sécurité du président Mobutu Sese Seko. Ce dernier qu'il a d'abord recruté pour être à ses côtés. François Béya a gravi les échelons au sein de l'ANR jadis, Centre National de Documentation puis du Conseil National de Sécurité, CNS. Il a dirigé le cabinet d'Honoré Ngubanda, l'un des plus fidèles, sécurocrate, de Mobutu avant la chute de ce dernier en 1997. Béya a été au Shin Bet en Israël où il était le contre-espionnage israélien. Il a multiplié les formations et développé son réseau en Europe et aux États-Unis. Sa dernière formation remonte entre 2009 et 2011 en Virginie dans la National Defense University des USA. À l'arrivée de Laurent-Désiré Kabila, il est allé en exil en Europe. À Kinshasa, sa résidence de Binza a été attaquée et occupée par des soldats de la rébellion du président Laurent-Désiré Kabila. Il revient au pays peu de temps après. Il devient directeur de cabinet de l'administrateur général de l'ANR, Didier Kazadi Niembo, qui en fait, sur recommandation de ses contacts, l'a adoubé. Sous le régime 1+4, François Béya a été directeur général adjoint de la direction de migration, DGM, et il a été conduit par Joseph Kabila en 2006 après son élection avant d'en prendre les rênes. Il demeure aux côtés de Kabila jusqu'à l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi en janvier 2019. Dans le réseau d'affaires Makutano, François Béya a aussi ses entrées. Le président de la Chambre de commerce franco-congolaise, Ambroise Tshiyoyo, et son cousin, apprend-on. Jeune Afrique révèle que son cousin est marié à Nicole Soulou, fondatrice du réseau d'affaires Sultani Makutano et gérante de l'hôtel Sultani, où Béya possède des bureaux. Selon ce magazine, c'est en partie grâce au carnet d'adresses de Béya que ce think tank a construit son succès. La même source renseigne que le grand frère de Béya, Constantin Chiombo, ancien banquier basé à Kigali rentré au pays peu après l'arrivée de l'AFDL, a été nommé le 14 juillet 2021 à la tête du conseil d'administration du Fonds pour la promotion de l'industrie, FPI, par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia. Ce conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a joué un rôle essentiel dans la mise en place de l'Union sacrée de la nation. D'après Jeune Afrique, François Béya a été sur tous les fronts pour permettre à Félix Tshisekedi de reprendre le pouvoir qu'il partageait avec son prédécesseur. De la nomination des juges à la Cour constitutionnelle à la restructuration de l'armée, c'est lui, François Béya. Il est également en contact avec plusieurs personnalités politiques de premier plan dont Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. François Béya a des ennemis à l'UDPS et au FCC. Il entretient des relations délicates avec Jean-Marc Kabound à Kabound. Certains de ses détracteurs l'accusent d'avoir joué un rôle dans la mise à l'écart de ses anciens collègues des services dont Caleb Mouton et John Numbi aujourd'hui sont en cavale. À en croire le magazine Jeune Afrique, Béya dispose de solides contacts à Bangui, notamment celui du président Touadéra. Ce dernier l'a d'ailleurs décoré de l'Ordre National du Mérite Centrafricaine en décembre 2019. François Béya aurait, apprend-on, fait office de médiateur de l'ombre, début 2020, entre Faustin Archange Touadéra et son prédécesseur, François Bozizé, aujourd'hui dans le maquis.
Restez branchés sur CFTV1, Congo-France.